En voor mij was werk maken, autobiografisch werk maken, is mijn manier van overleven. Ja, goedenavond, dames en heren, en heel hartelijk welkom. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali. Bonsoir, bienvenue à Who's Talking. Een programma van het Holland Festival en het Institut Français in samenwerking met de Bali. Gemaakt door Bali-directeur Jan de Mosselman en Holland Festival-medewerker Ravian van den Hil. Fijn dat u allemaal bent. Misschien even vooraf, het gesprek gaat in het Frans en in het Nederlands. We gaan proberen om voor u te vertalen van de ene taal naar de andere. Dat is op zich al heel interessant natuurlijk. Fijn dat we ook echt in het Frans kunnen programmeren hier. Ik ben een groot voorstander van dat we ook trachten de ons omringende talen te brengen hier in de Bali. En met de hulp van het Institut Français is dat ook vanavond gelukt. Tenminste, dat zullen we merken aan het eind van de avond, want u heeft dit apparaatje. En dat gaat dus heen en weer tussen het Nederlands en het Frans. En, als u hem opdoet, dan merkt. Maar er zijn misschien ook gewoon mensen die Nederlands en Frans spreken. Dus die hoeven niet zo'n apparaatje natuurlijk. maar dat spreekt. Eens even verder kijken. We hebben verder natuurlijk een mededeling. Doet u uw telefoon even op stil? Dat is altijd prettig. Dit is Who's Talking en dat is natuurlijk interessant. Wie praat er in welke taal en wie representeert wat? Hè? Dit programma is naar aanleiding van de voorstelling Contre Enquête. Afgelopen week speelde die in het Holland Festival. Waarschijnlijk hebben sommigen van u hem gezien, maar als u hem niet gezien heeft, dan maakt het niet uit, want dit kan ook los gezien worden. Maar dat was wel de aanleiding. Een voorstelling onder regie van Nicolaas Steeman, Duitse regisseur. Die associate artist is op dit moment in het Holland Festival. En Steeman inszeneert een ontmoeting, een denkbeeldige ontmoeting natuurlijk, tussen de hoofdpersonen van twee romans. De ene is geschreven door Albert Camus, L'étranger, niet onbekend natuurlijk. En de andere is geschreven door Kemal Daoud. En die is hier aanwezig. En dat komt goed uit, want dan kunnen we spreken over zeg maar, de representatie en het vertalen en het spreken over en spreken van en spreken met. We praten inderdaad over een aantal vragen, hè, die centraal staan in de voorstelling. Representatie, wie kan welk verhaal vertellen? Wat mag de een zeggen, kan de ander zeggen? En nou, daar hebben we twee mensen bij uitgenodigd. Dus zoals gezegd, Kemal Daoud, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En we hebben elkaar eerder ontmoet hier in de Schouwburg, een programma van de Bali in 2019, alweer vlak voor de grote pandemie. Prachtig programma, een begnadigd spreker weten wij sinds die tijd en een prachtig romancier, Algerijns journalist ook. Redacteur van Le Quotidien d'Oran, belangrijke Algerijnse krant. Zijn debuutroman Moussa of de dood van een Arabier raakte de literaire wereld, kan je wel zeggen, als een voltreffer. En zijn radicale antwoord op de vreemdeling van Camus, waarmee hij een identiteit geeft aan Camus' anonieme, maar vermoorde Arabier. Die stelt de westerse houding ten opzichte van de voormalige kolonie aan de kaak en roept de vraag op wie was nou eigenlijk de hoofdpersoon in die affaire die Camus beschrijft. In 2018 verscheen daarna zijn roman Zabor en in 2019 de schilder die de vrouw verslindt. Prachtige roman ook over Gare d'Orsay en over kunst. Nagmi Oral, hartelijk welkom. Ook een graag geziene gast hier in de Bali. Schrijft zijn actrice, medeoprichter van Zina Platform, theaterinitiatief gericht op lokale buurtprojecten. Ooit hier onder andere in de Bali uitgebroed en gekookt. Fijn je weer te zien. Debuutroman geschreven in 2011, Zera. Die werd genomineerd voor de Edgar Duperon-prijs. En samen met haar moeder maakte ze in 2015 ook in het Holland Festival een voorstelling, Niet meer zonder jou. En die is de wereld overgegaan, mag ik wel zeggen. 2017 te zien in New York. En 2016 won ze ook een gouden kalf.
voor een rol in de film. In vrijheid. Ook bij Netflix te zien tegenwoordig. Nazmin Oral. ik ga nog één iemand aankondigen. Actrice Julia Reis. Die 2 keer fragmenten voorleest uit het werk van Kemal Daoud. Hartelijk welkom ook. Ik ga eens even kijken of dit werkt. Ook inderdaad bij mij ook. Volgens mij staat hij aan. Ja, ja. Eens even kijken. Ik ga eens even beginnen, misschien als dat mag, Kemal Daoud, met u. Die roman, hè, over L'étranger, hè, over Moussa. Over, kunt u zich herinneren het eerste moment toen u dat las, dat u zich realiseerde dat de vermoorde hoofdpersoon in die roman geen naam had? Alors, bonjour, bonsoir, merci d'être là. J'espère pouvoir être intéressant. C'est une question qu'on me pose souvent, et très souvent quand je voyage dans les pays occidentaux. Elle part peut-être de l'idée qu'un lecteur dans le monde qu'on appelle arabe ou dans des pays décolonisés est toujours un lecteur politique. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'on lit de la littérature parce qu'elle suspend le jugement et qu'elle nous permet de vivre d'autres vies. Si on se met à lire un roman à partir de considérations politiques, ça peut mener à des chemins dangereux, comme les autodafés, les censures et les interdictions de publication. Je crois que la littérature va au-delà du bien et du mal et du conscience qu'on a de soi-même. Et si on lit de la littérature, ce n'est pas pour être un arabe ou être un occidental, c'est pour être quelqu'un d'autre. Donc, j'ai lu L'étranger d'Albert Camus vers l'âge de 20 ans. Il ne m'a pas beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié La chute de Camus plutôt que L'étranger. Et je l'ai relu plus tard, plusieurs reprises. Mais c'est à partir du moment où j'ai pris conscience de mon métier de journaliste que j'ai pris conscience que je n'ai pas fait une lecture politique, mais j'ai fait juste une lecture littéraire. Donc, c'est une réponse décevante pour ceux qui attendent de moi une lecture militante, mais si je lis de la littérature, c'est justement pour ne pas être militant. Nee, natuurlijk niet. Vanzelfsprekend niet, zou ik zeggen. Maar ik begrijp het antwoord, en het prachtige antwoord ook, mooi antwoord. Toch denk ik dat er op een moment ook voor een literaire lezer en ook voor dus het moment is waarop je realiseert, ik lees eigenlijk over iemand die onbenoemd is gebleven. Oui, mais je pense que c'est un problème de temps. Cette réflexion intervient après avoir fini de lire, pas pendant. Ce qui est très important. C'est-à-dire que la réflexion sur l'acte de littérature, de lecture, sur ce qui entoure l'acte littéraire, l'œuvre, c'est une réflexion, elle vient après, elle n'est pas pendant. Si vous réfléchissez pendant que vous lisez, ça veut dire que ce n'est pas un bon roman. Donc, c'est beaucoup plus tard. La conscience politique, elle vient beaucoup plus tard. La conscience historique, elle viendra plus tard quand on réfléchit. Mais on ne lit pas pour réfléchir. Du moins, on ne lit pas un roman pour réfléchir. On lit un roman pour ressentir, mais pas pour réfléchir. Par la suite, cette réflexion est intervenue parce que j'ai fini par confronter ma propre histoire à l'histoire que j'étais en train de lire. J'ai fini par réfléchir, mais pas au début. Camus, en Algérie, a un statut très particulier. C'est un écrivain qui provoque beaucoup de réactions, beaucoup d'affects, et autour duquel, bien avant les réseaux sociaux, ceux qui en parlent le plus sont ceux-là qui l'ont lu le moins. Et c'est bien avant Facebook et tous les réseaux sociaux. Ja, dat is een beetje een... Camus zelf was natuurlijk ook met zijn foto's en zo een beetje een rockster.
Oui, il avait de l'élégance. Je pense qu'il a eu, deux choses qui fascinent toujours. Il avait du génie et il est mort très jeune. Ça finit par vous rendre éternel. Ja, ja, zeker. Ja. Sommige filmsterren helpt dat ook. Ja. Maar op een gegeven moment, na het lezen, het is natuurlijk helemaal waar. Roman lezen is om gevoel te voelen. Gelukkig wel. Ik denk dat kunst en cultuur daar heel, heel vaak over gaat. Maar op een gegeven moment besloot u wel hem wel een naam te geven. De hoofdpersoon in uw roman. Wanneer was dat? Oui. Disons pour dissiper un malentendu. Camus, la lecture des œuvres de Camus m'a été très utile, non pas pour une prise de conscience historique, mais pour une prise de conscience philosophique. Je venais de sortir d'une longue période religieuse, et c'est le mythe de Sisyphe, Caligula, la chute, qui m'ont aidé à construire quelque chose qui était difficile à faire tout seul. Donc, le secours de Camus a été d'abord philosophique. La prise de conscience historique, elle est venue plus tard. Pour moi, elle est accessoire. Il ne m'importe pas que Camus ait donné un nom à l'arabe ou pas, réellement. Maintenant, pour répondre à votre question, je me suis toujours interrogé, parce que j'ai été souvent interrogé sur pourquoi on a écrit un livre. Je pense qu'on change de réponse chaque 2 ans. Au début, parce qu'on croit connaître les raisons. Et avec le temps, en creusant en soi-même, on découvre d'autres raisons. Il y a une possibilité d'écrire un livre sur pourquoi on a écrit un livre. Je peux vous dire, par exemple, que la première réponse, c'est que je suis algérien et que ce livre devait être écrit tôt ou tard. Il ne pouvait pas être écrit par un japonais, ni par quelqu'un qui soit peut-être en Corée du Sud, mais il devait être écrit par un algérien. C'est une réponse qui est tout à fait valable. La deuxième, parce que quand j'étais enfant, j'ai manqué de livres. Et j'avais très peu de livres dans le village. Et souvent, j'imaginais des suites à des livres. Parce que quand on lit un roman 12 fois, la 13e fois, on imagine une suite. Et donc, écrire une suite à un roman, ça fait partie de ma vie. J'ai toujours imaginé des livres, faute d'en avoir. C'est une réponse qui est valable. Je peux vous dire aussi, ça je l'ai su depuis peu de temps, que je ne pensais pas que c'était important. Mais quand j'étais très petit, j'ai perdu un frère. Et peut-être que c'est ça. Je n'accorde pas beaucoup d'importance à cette information, mais peut-être que c'est ça. Je pense que plus qu'on avance dans le temps et dans l'âge, on trouve des raisons à ses propres œuvres qui vont au-delà de nos propres croyances. Je crois que nos rêves sont plus intelligents que nous, et donc nos romans aussi. Hmm. J'espère ne pas avoir plombé la salle avec une réponse par là. Integendeel, denk ik. Integendeel. Als er stiltes vallen, dan wordt er nagedacht. En volgens mij. Je crois que c'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Orhan Pamuk a écrit un très bel ouvrage sur un livre inconnu. C'est-à-dire que la réflexion, elle est légitime. Pourquoi on écrit des livres? C'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi on fait des choses, pourquoi on fait des œuvres. Et je crois que même l'auteur ne le sait pas, ou bien il met beaucoup de temps à le savoir. Donc on peut se contenter d'une réponse très brève. J'ai écrit ce livre parce que je suis algérien. Ja, maar dat is op zich, net als al die andere antwoorden die u gaf, een interessant antwoord. En dat is geen Japanner zijn. Hè? Dus ik denk dat het een goed moment is om even naar een fragment te luisteren van Julia Reis. Tenminste, een fragment uit uw roman natuurlijk. En daar even over door te praten. Omdat dit heel goed aanknoopt aan wat u net zegt. Ik schreef het ook omdat ik Algerijn ben. Okay. Als ik het verhaal in mijn hoofd afspeel, word ik razend. Wanneer ik daar de kracht voor heb, tenminste.
De Fransman doet of hij de dode is. Hij wijdt uit over de manier waarop hij zijn moeder verloor. Hoe hij vervolgens in de zon zijn eigen lichaam kwijtraakte en daarna dat van zijn geliefde. Hoe hij naar de kerk ging om te constateren dat zijn God het lichaam van de mens in de steek had gelaten. Hoe hij waakte over de lichamen van zijn moeder en zichzelf enzovoort. Grote God, hoe kun je iemand vermoorden en hem dan ook nog zijn dood afnemen? Die kogel heeft toch mijn broer geraakt, niet hem. Moussa, niet Mursoul. Nou dan. En wat ook verbijsterend is, zelfs na de onafhankelijkheid heeft niemand geprobeerd de naam van het slachtoffer te achterhalen. Of zijn adres, zijn afstamming, zijn eventuele kinderen. Niemand. Iedereen stond met open mond te kijken naar die perfecte taal die de lucht facetten gaf als van een diamant. Iedereen uitte zijn medeleven met de eenzaamheid van de moordenaar en bood hem hooggeleerde condoleances aan. Wie kan werkelijk de naam van Moussa noemen? Wie weet welke rivier hem naar de zee heeft gevoerd die hij te voet moest oversteken? Alleen, zonder volk, zonder magische staf. Wie weet of Moussa een revolver, een filosofie of een zonnesteek had? En dan springen we nu ietsje verder. Voordat ik het verhaal vertel, zal ik het voor je samenvatten. Een man die goed kan schrijven, doodt een Arabier die op die dag niet eens een naam heeft. Alsof hij die aan een spijker heeft gehangen voordat hij het decor betrad. En begint dan uit te leggen dat het de schuld is van een God die niet bestaat en van wat hem in de zon duidelijk is geworden en van het zout van de zee dat hem dwong zijn ogen te sluiten. Zo wordt de moord in één klap een straffeloze daad. En daarna is het zelfs geen misdaad meer, omdat er tussen 12 en 14 uur geen wetten gelden. Tussen hem en Josh, tussen Mursoul en Moussa. Vervolgens heeft iedereen 70 jaar lang meegeholpen om het lichaam van het slachtoffer weg te moffelen en de plaats delict te veranderen in een onstoffelijk museum. Wat betekent Mursoul? Mursoul sterft alleen? Murstort, sterft gestikt, sterft nooit. In het verhaal werd mijn broer geen woord gegund. En dat is waar jij op een dwaalspoor geraakt, net als al je voorgangers. Het absurde is wat mijn broer en ik moeten dragen op onze rug of in de buik van onze aarde, en die ander niet. Begrijp me goed. Ik ben niet verdrietig of boos. Ik ga niet eens doen of ik rouw. Het is alleen, tja, wat? Ik weet het niet. Ik denk dat ik wil dat er recht wordt gedaan. Dat kan belachelijk klinken op mijn leeftijd, maar ik zweer je dat het waar is. Dan heb ik het niet over het recht van een rechtbank, maar over een recht van het evenwicht. Hartelijk dank. Prachtige fragmenten, klein stukje tussenuit gelaten, omwille van de tijd. Maar dan heb ik het over een recht van het evenwicht. Dat zegt natuurlijk de persoon in de roman, maar als ik het aan de romanschrijver vraag, als ik het aan u vraag, is die roman ook een daad van het brengen van evenwicht? Je crois, oui, on peut le lire comme ça. Et encore une fois, je n'ai pas pensé d'une manière consciente à écrire un roman de procédure. Je crois qu'on n'écrit pas. Je dis souvent à mes étudiants qu'on n'écrit pas avec une intention. C'est comme pour le sommeil. Vous pouvez choisir votre hôtel, votre oreiller, votre lit, mais vous ne choisissez pas votre rêve. La littérature n'est pas un acte qu'on contrôle, mais il fait partie de soi-même. La création, je pense qu'elle fait partie de soi-même. C'est une forme de rêve qu'on ne contrôle pas. Donc, il y avait cette intention-là. Mais l'idée de remettre en question, de voir l'autre côté des choses, elle est ancienne. Chez moi, c'est la littérature. Je suis un grand lecteur qui m'a appris justement à considérer les choses d'un autre point de vue. Vous m'avez posé la question sur le nom. Pourquoi il fallait donner un nom? Quand j'étais enfant, un des livres qui m'a le plus bouleversé, c'était Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, où le blanc ne donne pas un nom au noir. Il l'appelle Vendredi. C'est un jour de semaine. Il ne sait pas s'il a une âme, ou si c'est un animal, ou c'est un être vivant. Donc, il se dit, je l'appelle Vendredi. Et mon personnage le dit. Quand on dénomme quelqu'un, quand on lui enlève son nom, il est facile de le tuer. Il est facile de le,
de l'effacer. Donc, tout ça sont des considérations qui étaient dans mon univers, mais je ne pense pas avoir écrit en toute conscience. Je pense que si on réfléchit trop, on écrit un essai, mais pas un roman. Un roman, c'est quelque chose qui vous dépasse. La preuve, c'est que souvent, les lecteurs reviennent à moi quand ils lisent ce roman. Ils ont des interprétations et des explications qui me dépassent. Parce que je crois que le lecteur est beaucoup plus intelligent que l'écrivain. Il a plus de temps. Et il finit par combler les blancs et s'expliquer les choses d'une manière un peu plus cohérente. Donc, oui, il y a un souci d'équilibre. La littérature est un souci d'équilibre. Quand on lit l'histoire d'un monstre, quand on lit Lolita de Nabokov, c'est parce qu'il y a un équilibre à retrouver. Toute histoire commence par un déséquilibre, elle va vers l'équilibre final. Toutes les procédures de roman le savent. Donc, oui, il y a une recherche d'équilibre. Je finis sur ça, c'est que en Algérie, pour l'Algérien que je suis, pas l'écrivain, j'ai toujours vécu l'histoire algérienne telle qu'elle m'a été racontée comme un enfermement. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de réfléchir comment un personnage ou une personne ou tout un peuple peuvent être enfermés dans un récit et ils n'arrivent pas à en sortir pour aller vers le présent et le réel. Meursault, c'est cette histoire-là. C'est comment sortir du passé pour aller au présent. C'est très difficile dans des pays où la science-fiction, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Je crois que c'est une réponse intelligente, mais je ne suis pas sûr. Jawel, dank. De andere kant van iets laten zien, hè, dat is natuurlijk een van de essenties van literatuur. Vanuit een ander leren kijken of kunnen kijken. En dat beleven, niet alleen kijken, maar dat voelen, hè, dat doorvoelen. En dat is prachtig gedaan, vind ik. Nog maar eens even ook echt te noemen. Hè. Moussa, in Nederland zit er dan Moussa of de dood van Arabier. Vreemde vertaling. Wat vindt u van de vertaling van uw titel eigenlijk? Het is een hele andere titel dan in het Frans. Il y a eu beaucoup de traductions dans le monde, donc je pense que les titres varient en fonction du champ éditorial, des éditeurs, de la culture locale, etc. Donc on ne peut pas traduire Meursault contre-enquête en américain directement. Il fallait changer parce que contre-enquête ne sonnait pas bien. Donc on ne peut pas contrôler ces choses-là. Il faut faire confiance à l'éditeur, au traducteur. Et il faut essayer. Parce qu'un livre se traduit aussi en fonction du pays qui l'accueille. Donc on a. Non, le titre, je le trouve bien. Franchement, je le trouve bien. Je n'ai pas d'avis, par exemple, sur la traduction vietnamienne. Mais là, je comprends un petit peu. Is hij er? Bestaat hij? Oui, oui. Oui, c'était une des premières. Le livre a été beaucoup traduit dans deux sortes de pays. Soit ceux qui ont colonisé, soit ceux qui ont été colonisés, généralement. Interessant. interessant, natuurlijk, ja. Ja, dat is ook niet vreemd. Dat is ook logisch eigenlijk wel, vind ik. Hoewel dat misschien, en dan kom ik even terug op iets wat u eerder zei, misschien ook wel een beetje teleurstellend is. Want het is natuurlijk geen politieke roman. Het is geen essay, het is een echte roman. Het is een echte roman die doet wat goede romans zo goed doen. Namelijk het je laten inleven in de personages die je ziet. Dus het is ook een beetje teleurstellend misschien eigenlijk voor u als auteur. Qu'est-ce qui serait décevant? Que ce soit lu comme essai? Dat het weerklank vindt in landen die koloniseerden en gekoloniseerd waren. Dan zou je kunnen denken, dan is het toch een politiek, primair een politiek boek. Oui, oui, mais je pense aussi que les aspects politiques sont éphémères. Imaginez une lecture politique de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Tout à fait légitime, mais trois siècles plus tard. On ne lit plus de la manière politique. On lit un mythe, on lit l'histoire d'une condition humaine. On peut surinterpréter les livres, et c'est un grand danger. On peut avoir une lecture politique. Ce n'est pas
très indiqué à mon avis. Mais les livres, les histoires finissent par se débarrasser de leurs circonstances et elles vont vers autre chose. Les ouvrages restent. Est-ce que Les Confessions de Saint Augustin, c'est un livre politique ? Maintenant, non. Il y a quelques siècles, oui, peut-être. On peut lire les choses comme ça. Borges a beaucoup réfléchi sur cette question-là. Comment on lit une œuvre pendant son époque et comment on lit une œuvre par la suite, 2 ou 3 siècles. Donc non, ce n'est pas décevant. Par contre, je n'aime pas être personnellement enfermé dans ce rôle. Quand on m'invite par le monde, je parle parfois avec ironie, parce que je n'aime pas être convoqué comme une victime permanente. Voyez, j'ai été colonisé, donc j'ai très mal et vous êtes des salopards. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment construire ma propre autonomie de réflexion. J'en ai parlé il y a 2 ans ou 3 ans ici à Amsterdam. Ce qui m'intéresse, c'est comment construire ma propre souveraineté dans ma tête. Ma liberté n'est pas conditionnée par ce que vous me donnez, mais par ce que moi, je construis. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, au fond, je n'attends pas les explications des autres, leur culpabilité ou leurs excuses. Ça ne m'importe pas. Ce n'est pas important pour moi. Donc, en tant qu'intellectuel, il est très difficile pour moi d'éviter ces convocations, même dans la presse internationale, anglo-saxonne, américaine, où j'ai été appelé à écrire des articles en tant qu'arabe ou musulman blessé par la politique française. J'ai refusé. Et je n'aime pas être appelé à chaque fois que Macron fait une déclaration sur l'histoire algérienne, et je suis appelé par tous les journaux comme si je venais de faire la guerre. Alors que moi, je suis un enfant des indépendances. Donc, en tant qu'intellectuel, je me défends et je suis très déçu parfois. Mais en tant qu'écrivain, non, je pense que ce roman, peut-être, va durer encore plus que ma propre vie. Et peut-être, dans quelques temps, il sera lu par vous avec moins de culpabilité et par les miens avec moins de violence. Ja, is mooi wat u zegt. Is mooi ook hoe u zegt, mijn vrijheid, mijn soevereiniteit, mijn eigen soevereiniteit bouw ik op, hè, zelf op. En ik wil hem niet laten bepalen door wat de andere of de lezer, hè, daarin ziet. Dat is mooi, mooi verwoord en ik ben het er ook mee eens. Maar in de praktijk vraag ik me dan af, wordt u niet... Het zou zo mooi zijn als je je niet laat beperken door de ander, door de blik van de ander, door het oordeel van de ander. Maar dat is als publieke intellectueel op het moment, nou, misschien is het altijd moeilijk geweest. Ik denk dat Augustinus, een andere belangrijk Noord-Afrikaans schrijver, inderdaad, het er ook al moeilijk mee had. Maar je niet laten bepalen door de blik van de ander, ook in uw geval lijkt me dat een heroïsche taak. Sommige dingen, die internaliseer je of daar ben je bang voor en dan zou je het onderwerp niet begeven. Hoe doet u dat dan? Oui et non. C'est-à-dire, on ne contrôle pas la réaction des auditeurs et des lecteurs. Ça, il faut être conscient de ça. Un jour, mon éditeur, quand on a publié ce roman en France, m'a dit, quand on vend 20 000 exemplaires, c'est déjà un succès. À 30 000 exemplaires, c'est un best-seller. À 50 000, ça devient un mystère. On ne sait pas pourquoi. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas les auditeurs et les lecteurs. Et ça, c'est une chose. On ne peut pas, vous avez raison, totalement nier l'existence du lecteur, son poids. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas s'effacer soi-même. Il faut affirmer son autonomie et sa liberté. Si vous écrivez un roman pour les autres, il ne réussira pas. Les lecteurs ont besoin de votre autonomie, de votre subjectivité. Mais si vous écrivez uniquement un roman pour vous-même, il faut avoir un sacré génie comme Joyce pour que ça réussisse. Donc, oui et non. Mais je préfère quand même croire que je suis libre et écrire que de penser à vos attentes et ne pas écrire. Et c'est très important. Mais je ne parle pas d'écriture. Je parle surtout de la posture d'un intellectuel du Sud qui est souvent invité dans le Nord pour justement servir de faire valoir pour un discours ou pour le contraire. C'est-à-dire discours décolonial
au discours d'amnésie sur la colonisation. C'est ça ce qui me dérange. J'ai dit que c'est très difficile de trouver une position de liberté et d'autonomie, vraiment, entre l'amnésie d'un côté et l'hypermnésie de l'autre côté. C'est très difficile d'être un être vivant quand on a été colonisé, parce qu'on est toujours convoqué comme étant un colonisé. On est congelé dans une posture qui fait que vous répondez toujours à un discours de part et d'autre. Du côté qui ont le discours décolonial permanent et de ceux qui le refusent, refusent le travail sur eux-mêmes. Donc c'est une question de liberté pour l'intellectuel, et c'est quelque chose à définir. Maintenant pour l'écrivain, non. L'avantage de la littérature, c'est qu'on peut écrire même sur le fait qu'on n'arrive pas à écrire. Et donc je peux écrire même sur le fait que je me crois libre ou que vous croyez me maîtriser ou récupérer mon propre discours. Donc ça, ce n'est pas le plus... Je ne pense pas que ce soit la question centrale. On écrit aussi sur le regard des gens qu'on veut séduire et qu'on aime. Et ça, c'est différent. Donc on n'est plus dans la posture de l'intellectuel, on est dans la posture de la séduction, de l'envie de briller. Pas... Hemingway, je crois qu'il disait cette phrase qu'on écrit toujours sur le regard de quelqu'un qui soit mort ou qui soit encore vivant. C'est possible aussi. Donc... Ça mérite une réflexion, et c'est une réflexion permanente chez l'écrivain, c'est comment être autonome. Et c'est une réflexion très urgente sur l'intellectuel du Sud, c'est comment être libre vis-à-vis de l'Occident, mais surtout vis-à-vis des siens. Mm-hmm. En dat is ook een reden, begrijp ik inderdaad, als u het zo uitlegt, om niet... in te gaan op zo'n soort vraag van Macron. Want het beperkt uw vrijheid, in die zin. Non, ça, plus que ça, ça nie ma présence au monde. C'est-à-dire, on m'interroge comme si je venais de faire la guerre, comme si j'étais un cadavre. Je ne suis pas un cadavre. Je suis le centre du monde, moi aussi. Et donc, j'ai une réflexion qui est tout à fait... qui a la prétention, peut-être, et qui peut avoir la prétention de l'universalité. C'est... comment s'appelle l'écrivain... qui est à l'Académie, qui a écrit un très bel ouvrage qui est fondamental pour moi, c'est « Je suis un écrivain japonais », Daniel Laferrière, et qui justement pose cette question-là. Est-ce que c'est un écrivain noir, haïtien, d'origine, canadien, membre de l'Académie française, mais qui écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Parce que pourquoi l'autre, l'écrivain occidental, est convoqué sur la question de l'universalité, alors que moi, je suis convoqué sur la particularité? Et c'est ça ce qui me met mal à l'aise. On m'interroge souvent en Occident sur mes positions politiques et moins sur mes ouvrages, alors qu'on demande à Houellebecq qu'est-ce qu'il boit et comment il écrit. Moi aussi, j'ai des recettes, aussi, je peux les donner. En waarom rookt hij? Ja. 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 Ja, ja, ik begrijp uw punt. De universaliteit van de kunstenaar en iedereen als mens. Oui. C'est pour ça que je fais de la provocation quand je dis dans des conférences que je suis aussi le centre du monde. Ce n'est pas parce que j'ai un ego extraordinaire, bien que. Mais je crois que c'est un droit. Et la littérature, elle est ainsi. Elle nous déconditionne, elle nous redonne cette intimité du monde. Elle nous permet de relativiser, de voyager, d'être l'autre. Véritablement d'embrasser. Et c'est pour ça que la littérature est importante. Nasmi Oral, we verstaan elkaar in het Nederlands. Maar ja. Kamal Daoud zei, ja, ik schrijf het ook omdat ik Algerijn ben. Ook omdat het misschien iets te maken heeft met de dood van een lid van mijn gezin toen ik klein was. Ook wel om... evenwicht herstellen. Er zijn verschillende antwoorden over verschillende tijden heen en waarom ik een roman schrijf. Maar er komen toch ook wel hele persoonlijke antwoorden uit voort. Jij maakt heel persoonlijk werk, meestal, als het je eigen werk is. Als actrice doe je natuurlijk vaak heel erg andermans werk.
daar komen we zo nog op, want we gaan zo direct ook eens even naar Stegemans werk kijken. Maar toch even over die verbinding met je eigen werk. En jij hebt een prachtig werk gemaakt. Hier heb je het uitgeprobeerd hier in de zaal. Ik heb het meerdere keren gezien. Het heeft zich enorm krachtig ook ontwikkeld. Over jou en je moeder. Hè? De relatie die jij met je moeder hebt. Die een leven lang duurt natuurlijk, vanzelfsprekend. Daar heb je hele lange stukken uit in een voorstelling weten te krijgen ook. Had hij ook over een... over... ja, andermans moeder, maar over een imaginaire moeder kunnen gaan? Nee, want... het ontstaan van dat stuk was woede en daaronder diep verdriet over iets wat ik herhaald zag worden, wat uit mijn eigen geschiedenis gaat. En dat gaat over onvrijheid en dat gaat over geen recht hebben om je traditie te kunnen vormgeven als de volgende generatie zoals je wil. En de manier waarop ik werk maak, het is voor mij een manier van overleven. dus ik heb van mijn overleving mijn werk gemaakt. En toen dat idee kwam, of die behoefte kwam, van hier wil ik het over hebben, over die twee generaties die niet met elkaar praten, terwijl ze zielsveel van elkaar houden. En het gebeurt nog steeds en het blijft maar doorgaan. Wist ik dat er iets van een soort... dat het in de openbaarheid moest. Juist omdat het allemaal onbesproken werd. En ik wist ook meteen... ik moet dit voorleven. Ja, ik ben acteur, schrijver... en ik heb een moeder waarmee ik ook het een en ander nog moet uitzoeken. Dus ik moet het maar eerst zelf gaan doen met mijn moeder. Ja. Dus in dit geval, nee, het kon absoluut niet over iemand anders of een imaginair. De kracht van het stuk was juist dat het werkelijk moeder en dochter waren. En dat de moeder absoluut geen acteur is. Zelfs denkt dat ze een zonde begaat als ze gaat optreden, maar toch doet voor haar dochter. Zo, ja. Ja, het zijn het is in theater natuurlijk spelen met een op zijn minst dubbelheid inderdaad van de acteurs zijn zichzelf. En je zegt ook, ja, dat is voor mij een manier van overleven. Dat meen je letterlijk, geloof ik. Echt, hè? Ja, ik meen letterlijk. Ik heb van mijn overleven mijn werk gemaakt. Ja. Dus... nou ja, ik vind de menselijke staat van zijn is traumatisch. En dat is dus common, dat heeft iedereen. En sommige mensen hebben iets meer trauma op te lossen. In mijn geval was dat zo. En dat wil ik. Niet omdat ik per se geïnteresseerd ben in navelstaarderij of problemen. Maar omdat ik zo vrij mogelijk wil zijn. Zonder conditioneringen of zonder dat. Dus... en voor mij was werk maken, autobiografisch werk maken, is mijn manier van overleven. Ik vind dat ook heel slim. Ik heb daar gewoon... efficiënt werk... ook. Ja, super efficiënt. Ja. 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 Shit, ik heb een probleem. Oh, wacht, ik ga hier een stuk over maken. Kan ik er 3 jaar over onderzoeken? Net zoals je een boek schrijft, terwijl je niet weet waar het vandaan komt, waar het over gaat. Maar je weet dat het door je heen gaat en je moet er iets mee. En dan heb je ook die... Oké, het is hard werken ook, maar ook die heerlijke tijd met jezelf. Ik heb elk woord opgedronken bijna, omdat ik het zo... het is zo herkenbaar ook. En ja, dat. Ja. Het is een heerlijke luxe voor jezelf. Nu dit stuk er is, hè? Jouw stuk... zou het ook door een ander koppel gespeeld kunnen worden? Alles kan. Zeker. Veel in ieder geval. Ja. Ik heb een beetje een probleem met dat soort vragen.
Mm-hmm. Ook omdat ik acteur ben en iedereen is nu woke. En dan gaat het over, oh, mag je een donker iemand spelen? Mag een literair iemand van een zwarte auteur iets vertalen of wat dan ook? En ik vind dat de zwaarte van het onderwerp dan heel makkelijk door de vragensteller wordt gelegd bij degene die het antwoord dan moet weten. In dit geval ik, hè. Mm-hmm. Omdat ik vind dit soort gevallen zijn net zoals het leven zelf en de mens zelf zo veellagig en zo complex. Dus dat wil ik als eerste noemen. Mm-hmm. Maar in dit geval, over dit stuk met mijn moeder, natuurlijk zou een ieder die het wil, zelfs twee mannen, vader en zoon of whatever, geen vader en zoon, maar alles kan. Maar dit stuk heeft, kwam ik na jaren achter, een methodiek. Dus mijn advies zou zijn, als je dit stuk echt wil spelen vanuit je hart, mm-hmm. en je wil dit aangaan, dan zou ik het je gunnen om het met iemand te doen waarmee je iets uit te zoeken hebt die dicht bij je staat. Het liefst een vader en een zoon of een moeder en dat. Mm-hmm. En je sowieso te houden aan de regels van het stuk, de methodiek. Namelijk, het moet echt zijn. En je moet paresia beachten. Dus waarheid spreken tot de dood erop volgt. Dus ja, ik zou tegen mensen zeggen, ik wil je leren. Heel kort in de middag kan ik het je leren. Kan ik je leren de methodiek. Dan mag je het doen en maak er je eigen werk van. Dat zou ik dan zeggen. Ja. Ik vind het heel erg leuk dat je op twee manieren ingaat op mijn vraag. Ja. Inderdaad, je kan daar natuurlijk ook een politieke vraag in zien. Hè, van wie mag wat? Dat is tegenwoordig eigenlijk een politieke vraag. Wie mag wie representeren? Het is een angstige, kortzichtige vraag. Vind ik. Omdat we. Sorry dat ik je onderbreek, maar goed, ik ga het. Nee, we hebben een gesprek. Omdat. Kijk, ik ben een beetje wantrouwend naar die vraag. Mm-hmm. Ook omdat wij hiervoor hebben wij met de filmwereld en de televisiewereld gehad. Dat moet divers zijn. Daarvoor hadden we vast andere dingen, wat ik nu ben vergeten. Nu hebben we ook weer, daar geef ik zelf ook workshops in de filmwereld over vrouwen versus mannen. Wat ik daarmee bedoel is, als je het gevoel hebt dat je ergens aan moet voldoen, en je gaat in paniek proberen antwoorden te vinden en regels waar je aan moet houden, Dan stel je die vraag over en weer, maar je stelt hem nooit werkelijk aan jezelf. Als je hem werkelijk zou onderzoeken, die vraag. Als je daar werkelijk tijd in zou steken. En niet alleen mentaal, maar ook emotioneel en humanitair, maar ook spiritueel. En spiritueel bedoel ik niet New Age-achtig, maar gewoon diep menselijk. Dan denk ik dat die vraag door de meeste mensen die hem stellen al beantwoord kan worden. Mm-hmm. En dan het tweede deel van de. Dus ja, je kan hem politiek of programmatisch stellen of beantwoorden, hè, die vraag. Maar je kan maar hem hij ook zo... is niet politiek als je hem zo stelt. Hij is niet politiek. Ja, als je hem zo beantwoordt, denk ik. Als jij hem beantwoordt? Of... Oh, ja. Nou ja, nee, maar jij zegt telkens, die vraag is deels politiek. Mm-hmm. Ik weet niet of het politiek is. Het is diep menselijk. Het is vanuit als mensen zeggen, weet je, het is geschreven op een zwarte acteur. Hoezo spelen alle witte acteurs dit? Mm-hmm. Waarom, hè? Dan is dat niet politiek. Dan is dat diep menselijk. Dan is dat, wordt dat gezegd door iemand die zegt, ik zie mezelf niet terug. Ik heb mijn eigen helden en eigen archetypes moeten bouwen. Ik heb me los moeten maken van al die beelden die op me zijn gelegd.
En het kost heel veel energie. En ik wil meegroeien. Ik wil mijn eigen beeld kunnen zien en ik wil mijn stem kunnen horen. Mm-hmm. En ik vind dat diep menselijk en mm-hmm. niet politiek, zeg maar. Maar je kan hem ook artistiek opvatten, zoals jij met het tweede deel van je antwoord gaf. Hè? Waar je zegt, ja, ik doe iets in mijn stuk, iets. Ik heb een methode daar. En ja. als je die vertaalt, zeg maar, in de zin van adopteert en naar jezelf overbrengt, hè, dan kan je natuurlijk iedereen hem. Ja. Hè, dus dan, maar dan zal het in sommige gevallen inderdaad een vader en een zoon zijn, of een broer en een zus, of een, hè, of, hè, maar iemand die dichtbij staat. Waar je, dus je kan de methode ook vertalen, zeg maar. Je kan de, zolang het maar waarheid zeggen is. Hè, dus, ja, nou ja, in mijn geval, ja. de methode vind ik dan, als de maker, zul je tot op de letter moeten volgen, want dat vergt wat van je. De methode is, wil je een gesprek aangaan? Ben je bereid aanwezig te zijn? Ben je bereid dat niemand van het ene kamp naar het andere kamp hoeft? En ben je bereid ervan uit te gaan dat je geen uitkomst hoeft te hebben? Dat het een experiment is tussen twee mensen die elkaar getuigenis willen doen van elkaar. En daarbovenop heb ik, omdat ik kom uit de Turkse cultuur, levend in Nederland, maar dat westerse trouwens heeft er eigenlijk niet zoveel mee te maken, omdat wij doen dan oost versus west. Maar het gaat eigenlijk om het recht, mag ik mijn traditie ook helemaal van mij maken? En mede bepalen voor de toekomst. Dus niet per se westers, maar mede bepalen voor de toekomst zoals ik hem wil. Dus ik had niet alleen het menselijke verhaal tussen mijn moeder en mij, maar daaromheen ook de traditie en de religie waar wij aan vastgeklonken waren. Dat was ons speelveld, waardoor het nog gevaarlijker en nog interessanter werd. Dus ik gun degene die het overneemt zijn eigen. Kijk, gevaar moet er wezen natuurlijk. Anders heb je geen goed roman of een goed stuk. En anders zijn degenen die aanwezig zijn, anders krijgen die niet zo'n bijna levensveranderende wassing van binnen. Hè? Waardoor ze denken, wow. Dus ja. 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 Kamel Daoud, die vraag over representatie die ik aan Asmia stelde ook. Hoe zie jij dat? Is dat inderdaad, zeg maar, ben je dat eens met wat Asmia net schetst? Of kijk je er anders tegenaan? Is het als jouw... C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est à propos de la représentation d'autrui, de la liberté que l'on peut s'octroyer à représenter ou pas. C'est-à-dire, à la fin, est-ce que quelqu'un qui appartient à une communauté doit nécessairement avoir quelqu'un de sa communauté pour traduire ses œuvres, par exemple. Je crois que, pour revenir à la question d'équilibre, sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, il est nécessaire de rétablir les équilibres. Il est nécessaire d'avoir droit d'expression, d'avoir sa part d'universalité et de l'exprimer. Mais l'usage qu'on peut en faire de cette revendication, là, on tombe dans le domaine de la politique. Et là, on peut aller vers une radicalité qui n'est pas vraiment du domaine de l'art. On n'est plus dans le droit de créer, le droit d'être représenté, mais on est dans le procès de quelque chose d'autre. Tout le mouvement woke actuellement qui touche un petit peu, je ne parle pas des droits, mais qui touche à des titres d'ouvrages, à des romans, etc. Moi, cela me fait peur. Je crois que c'est une porte ouverte qui va déboucher sur des autodafés à l'avenir, d'une manière ou d'une autre. On a eu déjà des gens qui ont interdit des livres, qui ont interdit des titres, qui ont changé des titres. Cela m'incommode. Je pense que le passé, il est là, dans ses imperfections, pour nous servir de leçons, de champs, de lieux d'imagination, de fardeaux. Mais est-ce qu'on change les choses uniquement parce qu'on change le titre d'un roman? Cela me,
cela me dérange, ça me met mal à l'aise. Mais je pense aussi que l'art est une révolte contre lui-même aussi, contre la façon dont on le pense, contre ses credos, ses créneaux, ses codes actuels. On doit se révolter. Mais je crois que pour moi, je suis quelqu'un qui croit que lorsqu'on lutte contre une radicalité par une radicalité, on finit par nourrir les deux et ça ne donne rien de bon. Donc, je suis très prudent sur cette question-là, sur la question des représentations, etc. Je n'ai pas envie qu'on demande à la littérature le seul domaine où je me sens à l'aise, parce que je ne maîtrise pas le reste. Je n'aime pas qu'on demande à la littérature de faire de la morale. Ça ne marchera pas. Si ça avait marché, le communisme aurait donné des chefs-d'œuvre. Ce sont les gens qui sont élevés contre le communisme qui ont donné des chefs-d'œuvre. C'est différent. Mais par contre, ce que j'aime dans votre propos, c'est quand vous parlez de la nécessité qui précède l'écriture ou la création. C'est très important. Il y a une double nécessité quand on écrit, vous le définissez très bien. Il y a une nécessité extérieure, c'est celle de sa propre vie, et la nécessité intérieure, c'est celle de l'histoire qu'on est en train d'imaginer. Scheherazade raconte des histoires pour éviter la mort, donc elle le fait nécessairement. Mais pour pouvoir bien raconter cette histoire-là, il faut avoir soi-même vécu en tant que femme la condition d'une femme pour pouvoir imaginer les mille et une nuits. Donc, je préfère croire à la logique de la nécessité dans la littérature et dans la création plutôt qu'à celle de la mission qui serait donnée à de la littérature ou à de la création. Je fais un distinguo. J'ai grandi dans un pays, quand j'étais petit, qui avait une idéologie socialiste. Et toute la culture nationale, entre guillemets, elle a pris du temps, de l'argent, elle a coûté beaucoup, mais elle n'a rien donné. Parce que ça ne se commente pas. Parce que ça a obéi à une autre nécessité que celle du politique, justement. On ne doit pas faire de la politique avec de l'art. On finira par avoir de l'art ridicule et une politique ridicule. Ja, dat geldt ook voor programmatische opvattingen bijvoorbeeld in de woke-beweging, bedoelt u eigenlijk ook? C'est-à-dire? Nou ja, dat als je iets bestelt, zei u net, als je iets bestelt dat bij de juiste levensopvatting hoort, of zou moeten horen, bij het nationalisme of het communisme of het... Als je iets bestelt, dan wordt het helaas, want zo zit de kunst in elkaar misschien. Het zou makkelijk zijn als het ander was. Maar dan wordt het ridicule kunst. Tout à fait. Je pense que la formule la plus possible pour dans ce cas-là, c'est le mécénat. C'est-à-dire votre argent, mais pas votre avis. J'ai réfléchi beaucoup sur cette question à partir d'un autre point de vue. Quand on vit en Algérie, par exemple, et que nous sommes l'enfant d'une histoire algérienne, qu'on a vécu, par exemple, la guerre civile algérienne de 90 à 2000, avec cette forme violente et terroriste qu'a donné l'islamisme, vous êtes marqué à vie, c'était entre mes 20 ans et mes 30 ans. Donc quand vous parlez de l'islamisme dans le reste du monde, vous en parlez à partir d'une douleur, de souvenirs de mort, de tragédie, de déplacement, de bombes, de massacres. Mais comment sera interprété votre discours de l'autre côté? C'est un problème que j'ai eu à partir du moment où je suis devenu connu dans le monde. C'est-à-dire, si j'écris sur l'islamisme en Algérie, c'est tout à fait normal. Je l'écris avec colère. Mais si j'écris le même texte dans un autre pays, occidental, qui a un problème avec les minorités, le texte va être surinterprété. Je vous donne un exemple. Un jour, comme beaucoup d'Algériens, nous sommes très emportés et très... Nous sommes un peuple d'affect. J'avais écrit un article avec un titre très provocateur qui s'appelle « En quoi les musulmans sont utiles pour l'humanité ?» C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a inventé depuis 3 siècles. C'est de l'ironie, c'est de l'autocritique, etc. Le même article a été traduit dans une petite revue allemande, très très à droite. Là, ça devient autre chose. Ça m'a posé une question morale. Est-ce que je dois continuer à écrire, quitte à ce que mes écrits puisse être récupéré, ou est-ce que je dois me taire sur ma réalité pour que mes écrits ne soient pas récupérés et qu'ils ne blessent pas les communautés qui sont de l'extérieur, qui m'accusent d'être un traître, de servir les intérêts de l'extrême droite en Occident? C'est une question pertinente, elle n'a pas de bonne réponse.
J'ai pris la décision de continuer à écrire parce que j'ai des enfants, et parce que j'ai une fille, et parce que je vis dans un pays qui est menacé par l'islamisme. Je pense que c'est une raison et une nécessité extérieure tout à fait légitime. On peut détourner mes écrits, mais je ne suis pas responsable. C'est une question qui se pose aussi pour les livres sacrés. On peut interpréter comme on veut. Un jour, je raconte ça pour détendre l'atmosphère, j'étais à Bruxelles, et dans une grande salle, quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, dans le Coran, il y a des versets qui appellent au meurtre, comme tous les livres sacrés. J'ai dit, vous imaginez les dieux grecs très gentils, qui ne soient pas portés sur le rapt, le vol, le viol. Ça n'existe pas. J'ai dit, si vous donnez un livre de cuisine à un cannibale, il vous mangera avec. Donc, nous sommes responsables de l'interprétation. Chacun est responsable de l'interprétation. Mais en tout cas, moi, j'opte pour la liberté d'écrire et de créer. J'obéis à une nécessité. Et je n'ai pas envie de conditionner cette nécessité par la vôtre. Parce que vous allez finir par me pousser à ne plus écrire. Ja. En zoals u zegt, het is natuurlijk een hele reële vraag. Wat gebeurt er met je geschriften? Ik begrijp ook dat u hem aan uzelf moet stellen. Maar dat u er geen reden in zal zien om niet door te gaan met uw artistieke proces. Dat begrijp ik heel goed, ja. Il peut y avoir des histoires très belles, et ça m'est arrivé aussi avec des écrits. Il y a un an, j'ai reçu le prix de la laïcité en France, et c'était avec un Mauritanien qui était à l'époque emprisonné en Mauritanie. Il a vécu, je crois, 3 ans. Il était condamné à mort d'abord pour blasphème. Et il a passé 3 ans très très durs, torturé, etc. Maintenant, il est réfugié en France, une personne exceptionnelle que j'ai croisée très peu, mais qui m'a beaucoup touché. Et j'ai vécu une histoire très belle. Parce qu'un jour, quand il a été mis en prison, je travaillais à Oran, j'ai écrit un texte qui s'appelle, parce que lui, il s'appelle Mohamed, et j'ai écrit un texte, Mohamed condamné à mort au nom d'un autre Mohamed, c'est-à-dire le prophète. Et j'ai parlé de lui. Et il est sorti de prison il y a quelques années, il est installé en France, je l'ai croisé l'année passée quand j'ai reçu ce prix, il est venu vers moi, et il m'a dit, vous savez, après 3 ans d'isolement, on m'a permis de lire la presse, et la première des choses que j'ai lues, c'était votre article. Et ça m'a beaucoup touché. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté qui n'est pas bien, on ne contrôle pas les interprétations. Mais il y a quand même de petites histoires comme ça qui nous font garder foi en l'écriture. Et on se dit, peut-être on est quand même utile et que c'est important de le faire. Mais ce que vous dites, maakt natuurlijk ook wel weer heel duidelijk, wat jullie beiden zeggen eigenlijk. Dat het er nogal toe doet wie het zegt. Want het voorbeeld dat u geeft over uw tekst in de krant in Algerije, de samenleving waar u in leeft en waarom u dat schrijft, hè, uit welke overtuiging, is natuurlijk een hele andere dan als datzelfde artikel geschreven wordt door iemand in een extreemrechtse krant in Nederland. Dus inderdaad, het doet er natuurlijk wel degelijk toe wie iets zegt. Ja. Ja. Oui. Allez-y. Kijk, met zo'n rechtse en linkse krant of whatever, dat is dan meteen duidelijk natuurlijk. Het is wel een heel goed voorbeeld, hè? Ja, precies. Ja. Maar het is... Het is wat Kamel ook zegt. Het gaat om de intentie, om de nood. Waarom? Het waarom achter de dingen. Denk ik. Ja. Dus misschien niet eens zozeer wie, hè, welke kleur, welke nationaliteit of wat dan ook. Maar de intentie, het waarom. Als je een scenario schrijver bent en die wil een verhaal schrijven over een Algerijnse schrijver die naar Nederland komt, hè, bijvoorbeeld. En het is omdat, zoals het met schrijven gaat, ik ben nu bezig met een verhaal bijvoorbeeld. En het is
een vrouw, een oudere vrouw, maar die is al jaren bij me. Die komt echt op bezoek. Ik heb niet om haar gevraagd. En ik heb haar eerst 1,5 jaar zo af en toe op bezoek gehad. En dat ik dacht, nou, ik zie wel. Ik zie wel of dit echte liefde is of verliefdheid. Er zijn zoveel verhalen, ik zie wel. Zoveel personages. Maar ze bleef komen en ze liet zichzelf steeds meer zien. En steeds meer voelde ik haar. En op een gegeven moment was het onontkoombaar. En dus ik denk dat het waarom heel belangrijk is. Ja, en dan inderdaad zonder dat... Dus is het wel degelijk wie iets zegt, maar misschien niet welke kleur die heeft of welke afkomst, maar of de noodzaak erachter. Ja, en de intentie erachter. En waarheid spreken, zoals je al eerder zei. Ja. Ja. U knikt? Oh, je suis tout à fait d'accord. C'est... Ja. J'ai une petite phrase que je me répète et que je répète souvent, c'est que en la matière, que ce soit pour l'écriture comme pour tout le reste, du moins pour moi, la bonne foi est meilleure que la foi. C'est-à-dire que lorsqu'on obéit à sa propre nécessité de création, c'est une manière de trouver le bon filon, de faire une belle œuvre. Et puis, vous savez, un lecteur, du moins pour la littérature, n'est pas idiot. Si vous écrivez quelque chose où vous mentez, il le saura tout de suite. 4 premières lignes, il sait que vous mentez, vous mentez. Il le sait immédiatement. Ce qui est le plus convaincant, ce n'est pas de transmettre une vérité. C'est de s'y consacrer. C'est de dire à l'autre que je fais vraiment, j'essaie d'être vraiment honnête. L'honnêteté, elle est à la base du chef-d'œuvre, du style, de l'écriture et de la créativité. Si on ne l'est pas, le lecteur le sent. Et l'œuvre n'obéit pas à une nécessité. Donc, c'est vrai, ce n'est pas une question de couleur ou d'idées politiques. On a des écrivains qui écrivent très à gauche et dont les convictions sont très à droite. Le 19e siècle français en regorge. Mais ce n'est pas le plus important. L'œuvre, c'est autre chose. La création, c'est autre chose. Elle a sa propre logique, elle a sa nécessité interne et externe, comme je disais, c'est-à-dire celle dans notre vie et celle du récit lui-même. Et ça suffit. Vous voyez ces chefs-d'œuvre qui sont écrits, qui sont très courts, écrits avec une langue simple et qui nous bouleversent à vie. Je ne sais pas. Prenez Le Petit Prince. C'est très simple. Il n'a pas le niveau linguistique de Julien Gracq, de Le Rivage des Sirtes, par exemple. Mais l'œuvre est là. Elle est là. L'œuvre se tient par sa propre nécessité. L'œuvre n'a pas de couleur. Je ne pense pas que l'œuvre est totalement un sexe. Je pense que nous nous retrouvons dedans parce que ça obéit à une vérité. Il y a un roman que je trouve Femme au diable, que je relis souvent. C'est Mémoire d'Adrien, de Yourcenar, par exemple, écrit par une femme. Sur un empereur qui a marqué son l'époque, mais qui est décédé. Mais l'œuvre est d'une intense vérité, très profonde. Donc, c'est ce qui est le plus important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne fait pas peut-être un chef-d'œuvre avec des idées. On le fait avec des vérités. Ja, grappig. Ik zou dat meteen een meesterwerk noemen. Ik heb hem ook. Ik vind ook de ideeën gigantisch. Maar ik begrijp wel wat u zegt. U noemt het onder andere ook omdat het Marguerite Yourcenar is. Natuurlijk een Franse mevrouw uit de 20e eeuw. Schrijft over een man van bijna 2000 jaar daarvoor. En dat maakt niet uit. Ja. Et l'œuvre porte sa propre authenticité. C'est comme dans ce roman que j'aime beaucoup. C'est un personnage très authentique, très vrai. Donc, c'est peut-être pour ça que la littérature ne meurt pas vite par rapport à nous. Elle meurt très lentement. Parfois, elle ne meurt même pas. Et c'est pour ça que nous lisons aussi la littérature, parce qu'elle porte sa propre vérité. Lolita de Nabokov, est-ce qu'on peut l'imaginer écrit au début du XXIe siècle? Est-ce que lorsqu'on le lit, on est soi-même des pervers? Non, je pense que parce que nous nous intéressons à la vérité, qu'elle soit celle d'un monstre ou celle d'un saint. D'ailleurs, généralement, on s'intéresse à la vérité d'un monstre plutôt que celle d'un saint, il est plus ennuyeux.
Mais c'est ça la littérature aussi, c'est parce qu'elle raconte une vérité intime, profonde. L'art en général, pas uniquement la littérature. Mm-hmm. Dus als ik het goed begrijp, zou Moussa of de dood van een Arabier ook geschreven kunnen zijn geweest door een Frans, door een Nederlander of een Duitser. Als die, want u begon met te zeggen, ja, ik heb hem ook geschreven omdat ik Algerijn ben, als die de oprechte woede voelde die het eerste fragment misschien, of vergelijkbare. Hè? Theoretisch kan dat, of is het, ga ik nou weer te snel? Non, c'est possible. Je pense que vous, les Occidentaux, vous n'avez pas le monopole de la culpabilité ni de la culpabilisation. Nous aussi, on peut être coupable. Donc, vous n'avez pas le monopole de la culpabilité. Donc, on peut écrire cette histoire de part et d'autre. Moussa, le personnage, il aurait pu se contenter d'être une victime, mais il est lui-même meurtrier. C'est, on peut l'imaginer comme ça. Mais est-ce que ça aurait eu le même sens pour vous? Peut-être que non. Peut-être que moi, j'aurais surinterprété. J'aurais dit, ah, voilà un Hollandais blanc qui essaye de se faire passer pour moi. C'est possible. Aussi. Mais ça ne vous aura pas empêché d'écrire ce roman. On peut... Il y a un écrivain espagnol. Ça va me revenir son nom, qui a écrit... Il a dit, ça s'appelle le rabat. Je ne sais pas comment on traduit ça. Le mot est rare en français. Le rabat, il dit, c'est la croyance qu'on a sur une œuvre. Alors, il dit, par exemple, pour comprendre qu'est-ce que le rabat, il faut imaginer un monde où les aventures de Jéhovah seraient une bande dessinée et où on aurait décapité des têtes à des gens qui n'auraient pas cru en la réalité de Sherazade. C'est-à-dire un monde inversé. Donc, c'est ce qu'on croit sur les œuvres. Borges le fait très, très bien. Sur cette, comment on lit les œuvres en fonction de ses propres croyances. Donc oui, je pense que vous auriez pu écrire ce livre. La question, est-ce que je l'aurais acheté? Possible. Mais vous êtes libre de le faire. Prenez le mythe de Robinson Crusoe. Il a été réécrit d'une manière magnifique par Michel Tournier. Oui. Il a été écrit encore... Vrijdag of het andere eiland. Vendredi ou les Landes du Pacifique. Vendredi ou les Landes du Pacifique. Il a été écrit d'un point de vue de la femme par Coetzee, l'écrivain de l'Amérique du Sud. Il a été écrit du point de vue du noir, l'empreinte de Robinson. J'oublie les auteurs. Donc, on peut trouver, on peut interroger. Ce mythe est important, le mythe de la rencontre, comme d'autres mythes, et on peut les voir d'un côté comme de l'autre, on peut les rafraîchir, les revisiter. Il ne faut pas hésiter à le faire. Vraiment, si vous voulez écrire un roman où vous racontez comment l'étranger peut être réécrit, faites-le. C'est toute la liberté de la littérature, il n'y a pas d'interdit, ce n'est pas un livre sacré. Faites-le. Yeah. Ja, prachtig. Ja. ik vind het een goed moment om even naar een stuk te kijken van het een stukje van het, van het van de voorstelling die in Hollands Festival te zien was. Ik denk dat deze scène een aantal van de gesprekken die wij net voeren, een aantal van de redenaties goed weergeeft. We gaan er even naar kijken, misschien daarna nog. Ook nog even over praten hoe dat ook als illustratie gezien kan worden, denk ik, bij ons gesprek. Mon père a trois frères, donc c'était une fratrie de quatre fils. Et ils sont partis d'Algérie de manière un peu espacée. Donc c'est l'aîné, le premier qui est parti, il est parti à Lille, donc en France. Ensuite un à Lyon, un autre à Montpellier, et puis mon père, c'est le dernier qui est parti avec ses parents en banlieue parisienne. Il a arrêté ses études, tout ça, il a fait de la manutention pour ramener de l'argent, tout ça.
Et en fait, leur arrivée a été complètement horrible pour eux, quoi. Enfin, ce qu'on m'a raconté, et que c'était très violent parce qu'ils étaient vraiment considérés comme des étrangers, en fait. C'était des étrangers, quoi. Et donc, ils étaient moqués, montrés du doigt. C'était vraiment très violent. Et la mère de mon père, ma grand-mère, elle n'a pas du tout supporté comment elle était traitée. Et elle en est morte. Elle a fait une maladie un peu étrange de sang, comme si elle se faisait du mauvais sang, je ne sais pas quoi. Puis elle est morte. Excuse-moi. C'est très touchant, l'histoire de ta grand-mère et de ton père. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, c'est Kamel Daoud, Meurtre contre enquête, Haroun, mon frère. Donc là, on est là pour parler des Algériens, pas des pieds noirs, pardon. Okay, bah, les pieds noirs, c'est aussi des Algériens, c'est ce que j'essaie de dire. Tu vois très bien ce que je veux dire. On parle de l'Algérie. Là, Kamel Daoud, il parle de l'Algérie, les Algériens qui ont été massacrés en 1962, tu vois, d'accord. C'est des Arabes, bon, des Arabes comme moi, tu vois. D'accord, ben ouais, mais t'es né où? Quoi, moi? Ouais. Moi, Mounir. Oui, t'es né où? Je suis né à Clermont-Ferrand. Donc t'es français? Oui. T'es auvergnat? Oui, je suis auvergnat, mais mes parents sont du Maghreb. D'accord. C'est pour ça qu'on m'a choisi. Et d'où? Ils sont d'où? Mon père, il est du Maroc. Ben voilà, mon père, il est né en Algérie. Non, mais arrête, tu vois très bien ce que je veux dire. Tu sais pourquoi... Regarde, attends, Anna Kanskellem Bel Arbiya, je parle arabe. Kanskellem Bel Arbiya, ça tu sais pas faire. C'est pour ça qu'il m'a choisi Nicolas Steban. D'accord? Ben, okay. Dis donc, bravo Nicolas Steban, quoi. Les Marocains, les Algériens, c'est kiff-kiff. Non, mais arrête. Non, mais arrête. Oui, c'est... Oui. Bah, moi, j'ai joué des Égyptiens, j'ai joué des Libanais, des Tunisiens. Je suis l'arabe universel, voilà, c'est comme ça. Attends, toi. Attends, tout à l'heure, j'ai joué Hamlet. Hamlet, il est danois, déjà, que je sache. Déjà, je l'ai pas dit comme ça, j'ai joué Hamlet. Hamlet, il est danois, que je sache. Donc, ça pose pas de problème. Mais donc, voilà, moi, je peux jouer un Algérien. J'ai la tête de l'Algérien. Enfin, j'ai joué un danois. Enfin, c'était en 2005, hein, je vous rassure. Et puis, maintenant, je joue un arabe. Je vois vraiment pas le problème, quoi. Ah ouais? Tu vois pas? Non. Bon. Et Steman, il est d'où? Steman, il est d'Allemagne. Voilà. Et de quoi il se mêle, lui? Non, mais sans déconner, la France, l'Algérie, ça lui parle, il a des choses à dire, c'est vrai, je sais pas, moi. C'est vrai que quand même, quand il m'a proposé le projet, je me suis dit, tiens, un Allemand qui s'intéresse à une histoire franco-algérienne, il peut pas monter Faust comme tous les Allemands, quoi. Non, ça, il l'a fait au moins 4 fois. Oui, non, mais ce qui serait original, je sais pas s'il est là, Nicolas Steman, ce qui serait original, voilà, il est là-bas, ce serait de le monter avec nous deux, hein, tu vois, moi, je pourrais jouer Faust et lui, il pourrait jouer Mephisto. Ouais, ou l'inverse. Oui, enfin voilà. Mais en fait, j'ai compris, moi. C'est parce qu'en fait, les Allemands, ils en ont marre de jouer les bourreaux de l'histoire. Ouais, bah c'est les bourreaux de l'histoire. Oui, d'accord. Mais ils aimeraient bien que les Français aussi travaillent un peu sur leur culpabilité. Tu vois, leur part sombre. En Algérie. Ah bah justement, voilà. Moi, je travaille ma culpabilité, voilà. Je suis ici, devant vous, et je travaille ma culpabilité. Oui, qui est Moussa? C'est mon frère. Qui est Moussa? Non, c'est mais mon arrête frère. Avec ça. Moussa, c'était mon frère. C'est mon frère à moi. Moussa, c'était mon frère à moi. Mais non, mais toi, t'es la victime. Arrête. Je suis pas une victime, qu'est-ce que tu racontes? Bah si. Je suis pas une victime. Bah si. Non, je suis pas une victime. Bah, si. Non, tu vois, moi aussi, j'ai une mère et j'ai un meurtre sur le dos. Ja, het is ook echt geestig, inderdaad. Dat horen we ook als de band luisteren, dat horen we ook hier. Het is dus Steman is een Duitser die deze ansenering gemaakt heeft. Imaginaire ontmoeting van eigenlijk twee romanfiguren die elkaar op het podium ontmoeten. En daar speelt hij natuurlijk weer verder mee. Hoe is dit voor u om naar te kijken? Is dit en het uit handen geven van het verhaal weer verder naar een volgende interpretatie? Écoutez, si j'avais écouté les deux acteurs avant d'écrire ce roman, je l'aurais jamais écrit. C'est-à-dire que c'est une tragédie à la fois vraie, touchante et totalement futile. Parce que les deux sont plongés dans un conflit de loyauté vis-à-vis des gens qui sont morts, alors qu'eux, ils sont vivants. Et ça, ils l'oublient. Ils jouent aux morts. L'un qui n'a jamais fait la guerre, l'autre qui ne l'a jamais vécu, et les deux rejouent quelque chose qui n'est pas la vie, mais qui est la mort. Donc ils sont dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leur propre mort. Chacun essaie de s'accrocher, de revendiquer la mort au lieu de revendiquer la vie. Donc croyez-moi que si j'avais ce genre de débat dans ma tête entre mes personnages, je n'aurais pas écrit cet ouvrage ou je l'aurais écrit autrement.
Peut-être. Mais peut-être que pour traiter des questions aussi graves, on a besoin d'une dose de naïveté qui est aussi la mienne. Et les questions qui sont posées sont vraies. Elles sont celles de notre époque, tragique et futile à la fois. Est-ce que j'ai le droit de jouer l'arabe quand je suis français, ou jouer l'allemand quand je suis hollandais, ou de jouer l'indonésien si je suis... ou jouer le saoudien, ou jouer... Est-ce que... C'est fascinant comme obsession. C'est tragique parce que ça en dit beaucoup sur les mémoires qui ne sont pas soldées, mais face à la vie, c'est tellement futile. C'est tellement futile. Je ne pense pas qu'il faille demander à l'art des choses comme ça, avoir une nationalité. Et c'est très bien joué par les deux acteurs. C'est moqué par ces acteurs-là. Les romans n'ont pas de nationalité. Nous avons des nationalités. Nous avons des passeports, des frontières, des États, mais les romans n'ont pas de nationalité. Ils voyagent. On peut lire « Saison de migration vers le nord » de Tayyip Salah, un ouvrage majeur pour moi, à Helsinki. On peut lire Mishima au Sénégal. C'est ça l'avantage de la littérature. À partir du moment où on se pose ce genre de questions, on tombe dans la littérature nationale, dans le récit national, et là c'est fini. Mais en même temps, ça pose de vraies questions sur la légitimité ou pas, qui dit pas, qui a le droit de dire ou pas, qui est algérien, qui est français, qui est arabe. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Le seul endroit où je suis arabe, c'est lorsque je suis en Occident. Parce que le monde arabe n'est pas habité par les Arabes. On n'existe pas en tant qu'Arabe. On existe en tant qu'Algérien, Saoudien, Yéménite, etc. C'est comme si moi, j'arrive ici en Occident, au XVIe siècle, et je dis, vous êtes tous des Latins. Et vous allez me dire, non, il y a des Français, oui, mais vous êtes des Latins. Donc, vous êtes des Latins. Et donc, Arabe n'existe pas. C'est votre regard, c'est votre nationalité que vous apportez avec vous. Mais moi, je me sens Algérien. Franchement. Je suis aussi naturalisé français, et je revendique la part culturelle française. C'est une histoire qui m'appartient maintenant, que je défends. Et je l'assume, pleinement. Mais dire que je suis arabe, ça n'a aucun sens. J'étais à Londres il y a 3 semaines pour parler de ce roman, et on a projeté un petit film très court où on voit une plage. C'était filmé, je pense, au Maroc, en Tunisie, une maison. C'est la scène du crime de l'étranger. Et quelqu'un parlait. C'était la victime. C'était Moussa. Et il parlait en langue arabe classique, comme on dit classique. J'aime pas le mot. Et tout le monde attendait ma réaction, et j'ai dit, mais je suis encore plus étranger que ça. C'est-à-dire que même cette langue, ce n'est pas ma langue. C'est une très belle langue, je suis bilingue, mais ce n'est pas la langue de ma vie. On n'a jamais vu quelqu'un dans ce que vous appelez le monde arabe mourir avec une phrase d'arabe classique à la bouche, ou se noyer en hurlant et appelant au secours en arabe classique, ou bien séduire une femme avec de l'arabe classique. Je vois mal un occidental se noyer et parler latin. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, c'est encore plus étranger. Nous sommes encore plus invisibles. C'est encore plus grave que vous le pensez. Ik vind dat u heel mooi compliment maakt aan de acteurs. Maar ik hoor hier ook wel een beetje vriendelijke kritiek over de setting waarin Stegeman dus dit neerzet. Van u net. Non, pas critique. À l'époque, il fabriquait la pièce, j'étais à Lausanne, et je n'aime pas juger la créativité des autres, et je trouve la pièce extraordinaire. Vraiment. Le jeu des acteurs, il est formidable, mais j'avais juste... Il a insisté pour me demander mon avis. J'ai dit, au début, pas maintenant, j'ai dit, je crains juste un déséquilibre. Je crains que vous ne fassiez une sorte de blanc français caricatural et d'arabe très, très enthousiaste. J'ai dit, ce n'est pas vrai dans le roman. Dans le roman, c'est la même chose. Je n'ai pas envie d'une sorte de caricature de l'autre, comme on en faisait dans le XXe siècle. Ce n'est pas vrai. Les deux sont coupables. Les deux n'ont pas le monopole de la culpabilité ni de l'innocence. Donc on est dans ça. L'histoire, elle pivote chaque fois. Donc... J'ai pas voulu d'un blanc qui hurle à la repentance et qui se met à genoux pour se faire pardonner. Il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Donc, non, j'ai aimé la pièce. Il y a eu d'autres adaptations. Il y a eu cinq adaptations. J'ai aimé beaucoup cette mise en évidence. Et Nicolas a très bien saisi certaines choses. Par exemple, l'absence de la mère, qu'on ne voit jamais, et qui pourtant pèse sur tout le monde, et qui est derrière le décor. Et c'est très vrai. Et je pense que c'est une idée excellente, parce que c'est exactement le statut du personnage dans le roman. C'est une mère qui ne dit rien, mais qui décide de tout. On est en Méditerranée, ce qui est normal. En uiteindelijk zei u ook net, het aanbrengen van de volgende laag is niet verboden. Het weer herinterpreteren, het opnieuw iets maken. Dus in zekere zin, u zei ook van, mythen moeten opnieuw beschreven, geherinterpreteerd, weer gebruikt worden. Of het nou die van Robinson Crusoe is, of over Zeus, of welke andere. Dus het is ook een heel groot compliment dat het al zo snel tot theater wordt. Oui, j'aime beaucoup les compliments. Yeah. Oui, je pense que ça interroge beaucoup de gens. En Allemagne, il y a une interprétation théâtrale avec quarantaine d'acteurs ou de figurants, et le titre, c'était Les étrangers. C'était à l'époque de l'arrivée de nombreux réfugiés du Proche-Orient vers l'Allemagne. Donc, je pense qu'il y a des histoires qui parlent, qui s'adaptent en fonction de l'actualité. On peut même rêver un jour d'une situation inverse où la pièce serait jouée en Algérie, mais qui inverse les situations. Où ce serait l'Algérien qui a tué quelqu'un gratuitement parce qu'il lui a rien fait. Et on peut parler de la culpabilité et beaucoup d'autres choses. Mais oui, j'ai toujours été au début étonné par le destin de ce roman. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de succès. Bon, c'est pas de la fausse modestie, mais je pense que c'est dû à l'époque plutôt qu'à mon talent. S'il est tombé au bon moment, c'est un moment pivot, un moment de remise en question de beaucoup de choses. Et ça a commencé à résonner dans certains pays, comme je vous disais tout à l'heure, dans certaines cultures, etc. Donc c'est un peu. Mais c'est vrai que c'est lié aussi à l'histoire de chaque pays. J'étais en Finlande dernièrement, il y a eu une traduction en finnois. Le roman n'a pas très bien démarré, peut-être parce que la culpabilité coloniale des Finnois n'est pas très grande. Je n'ai pas envie de penser ça. Minder dan de Denen, misschien. Vous êtes bien placé pour ça. De Nederlanders hebben nog meer waarschijnlijk. In ieder geval meer reden. Ik ga toch nog even vragen of we naar een tweede fragment kunnen luisteren. Julia Reis, er is nog één fragment. Dan komen we denk ik bij een afsluiting. Misschien zijn er nog, want we willen ook nog even naar u. Misschien zijn er nog vragen. Of, ja, ga je gang. Dankjewel. Arabier. Weet je, ik heb me nooit Arabier gevoeld. Zoals ook het negerdom alleen bestaat in de blik van de blanken. In onze wijk, in onze wereld, was je moslim. Je had een naam, een gezicht en een routine. Verder niets. Anderen waren vreemdelingen. De roemies die God hier naartoe had gebracht om ons op de proef te stellen. Maar van wie de uren hoe dan ook geteld waren. Vroeg of laat zouden ze weggaan. Dat stond vast. Daarom gaven we geen antwoord als ze iets vroegen. Zwegen we in hun aanwezigheid en wachten we af, leunend tegen een muur. Jouw moordzuchtige schrijver heeft zich vergist. Mijn broer en zijn metgezel waren helemaal niet van plan om hem of zijn pooiervriendje te vermoorden. Ze waren gewoon aan het wachten tot ze zouden vertrekken. Hij, die bikker en al die duizenden anderen. Dat wist iedereen vanaf onze vroegste jeugd. Daar hoefde je geen woorden aan vuil te maken. Uiteindelijk zouden ze weggaan. Wanneer we door een Europese wijk liepen, vermaakten we ons ermee om de huizen aan te wijzen en ze onderling te verdelen als een oorlogsbuit. Dat daar is van mij. Ik heb het eerst aangeraakt, riep iemand, waarna iedereen er direct bovenop sprong. En we waren nog maar 5. Besef je dat?
Alsof we al voorvoelden hoe het bij de onafhankelijkheid zou gaan, maar dan zonder wapens. Je moest dus door de bril van jouw held kijken om in mijn broer een Arabier te zien en hem daarom te laten sterven. Dankjewel. Dankjewel, Julia Reis. Als illustratie, misschien bij het gedeeltelijk bij het gesprek wat we zojuist voerden, een prachtig fragment, wederom uit Moussa of de dood van een Arabier. Ja, ik vroeg er al even naar, maar de titel in het Nederlands, daar vroeg ik ook helemaal aan het begin al naar. In het Nederlands staat er Moussa of de dood van een Arabier. En u zegt, ja, dat zijn wij helemaal niet, dat is de blik van ons. Dus dit is toch wel een erg Nederlandse titel, constateer ik dan. Dat is het ook, het is de Nederlandse vertaling. Ça dépend de votre culpabilité, encore une fois. Ik kijk even naar het publiek, en want ik rond dit gedeelte nu graag af. Hoewel ik graag ook nog gesproken had over de schilder die de vrouw verslindt, en graag gesproken had over Netflix en over heel veel andere zaken. Laat ik het hier toch even bij. Heel hartelijk dank voor dit gesprek en voor uw geduld en voor het feit dat u komt. We hopen u of in de bar of later weer in de balie te zien. Ik wil heel graag de twee simultaan vertalers heel hartelijk danken. Wat een ontzettend werk. Heel hartelijk dank, want daardoor werd het mogelijk. Dat we over taalgrenzen heen gewoon met elkaar spreken. En dat is toch ook een wonder eigenlijk. Ik hoop dat we niet lost in translation zijn geraakt om nog eens een Engels woord bij te gebruiken. Ik hoop dat u dat ook niet bent geweest geworden. En heel hartelijk dank. Graag tot de volgende keer. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Thank you for all.